Ce film est putain d'intelligent. Salut les amis, c'est Clément pour une toute nouvelle critique. Cette fois-ci, je vais m'attaquer au film Joker. Je l'ai vu une semaine après tout le monde. Moi qui suis cinéphile et qui ai attendu ce film depuis son annonciation, je suis frustré. Enfin bref, l'important, c'est que j'ai vu le film et je peux le critiquer. Avec spoiler. Comme dit dans le titre ou la miniature, ce film est un chef-d'œuvre. Sérieusement, même un abruti le dirait. Bon, après, t'as les cas désespérés. Mais franchement, sans être méchant, ceux qui disent qu'ils n'ont pas aimé le film, c'est votre droit. Mais c'est que vous êtes pas très intelligent. Car vous aimez plus l'univers super-héroïque avec des pouvoirs méga stylés et fun et des blagues de merde. Je le répète, c'est votre droit. C'est pas très comparable, mais le MCU, c'est moins bien à côté. Je vois déjà les haters venir me dire que oui, le MCU est parfait, sans réel argument. Le MCU est quasi parfait, mais les films individuels ne le sont pas. Tu prends Endgame, Captain Marvel et autres, ça n'a rien de parfait. Mais on n'est pas là pour causer MCU, on est là pour DC, pour le film Joker. En fait, ce film, c'est un mec instable, qui a des problèmes psychologiques, il est pas fou ni autiste, mais a des problèmes de cerveau, qui veut faire rire les gens en devenant humoriste, mais que la société n'accepte pas vraiment. Car il est pas normal, mais on sait tous comment est la société. Car les gens se moquent de lui, les gens haut placés comme Thomas Wayne le traitent mal, et plein d'autres trucs comme ça, mais j'y reviendrai plus tard. Et il devient le Joker car il a pété un câble à cause de toutes ces petites choses. Et le mec a des problèmes psychologiques, c'est déjà bien qu'il ait tenu jusque là. Mais c'est tellement bien montré, bordel! Et c'est tellement intelligent d'avoir utilisé le Joker pour ça! C'est un peu comme The Boys, qui est une série qui critique aussi la société. Car ils ont profité de la vague de super-héros pour faire ces œuvres-là. Et là, chapeau les gars. Car dans ces deux œuvres, on a quelque chose de complètement différent. Peut-être que je ferai une critique sur cette série. Bon bref, on verra bien. On a là un homme inconnu qui devient quelqu'un et qui est un exemple, dans le mauvais sens du terme. Mais le personnage a accompli son rêve en quelque sorte. Avec sa dégaine de Joker, il a apporté du rire aux gens, encore une fois, dans le mauvais sens du terme. Mais là, on a comme de la sympathie pour Arthur Fleck. Todd Phillips, au passage le réalisateur des 3 Very Bad Trip, de Starsky & Hutch et autres, a réussi à nous montrer la détresse et la folie de cet homme. Cet homme qui veut devenir quelqu'un de bien, car sa mère lui a dit qu'il a une mission, il doit apporter la joie et le rire aux gens, qui devient un des plus grands criminels de Gotham, et le pire ennemi de Batman, que d'ailleurs on voit dans le film. Enfin, Bruce Wayne jeune, bien évidemment. En revenant sur la folie, on ne sait pas ce qui est vrai ou faux dans ce film. Je m'explique. Arthur s'imagine des trucs à certains moments. Je vais prendre la première imagination, quand il est à l'émission de Murray, au passage joué par De Niro. Quand cette scène arrive, j'ai vraiment cru qu'il y était vraiment. Car quand on est revenu sur lui au moment où il regarde la télé, j'ai pas compris. Là, on commence à se demander si oui ou non il a été sur le plateau. Todd Phillips joue un peu avec nous aussi dans le film. Il nous fait croire des choses qui au final sont fausses. La relation entre Arthur et le personnage de Zazie Beetz, j'ai oublié le nom du perso, si oui ou non c'est le fils de Thomas Wayne, donc le frère de Bruce, qui deviendra son plus grand ennemi, je vous le rappelle, si sa mère est bien sa mère, etc. Tout au long du film, on se pose des questions. En revenant sur ça, relation avec Zazie Beetz, je pense pas être le seul à y avoir cru. On ne voit pas vraiment le truc venir. C'est que quand il est rentré dans l'appartement et qu'elle le vouvoie et qu'elle lui parle comme si c'était juste des connaissances. De vue, hein, des connaissances de vue. Et tu sais même pas s'il a tué elle et sa fille. Même après le film, tu n'as même pas toutes les réponses. C'est ça qui est génial. Même à la fin, tu ne comprends pas vraiment ce qui se passe. Soit tout ce qui s'est passé provient du rêve d'Arthur et qu'il annonce en gros ce qui va se produire. Soit ça se passe après qu'il se soit fait choper par la police, ou Batman au pire. Car connaissant le Joker, il n'y va pas qu'une seule fois à Arkham, qu'il va s'évader. Soit ça se passe avant, et que tout ce qu'on a vu, c'était du fake. Ça rejoint un peu le premier point. On ne le sait même pas, et on le saura sans doute jamais. Mais c'est ça qui est bien. Et ce qu'on ne saura jamais, c'est si Penny Flake et Thomas Wayne ont eu une aventure. Ce dernier dit que non, mais Arthur a une photo de sa mère plus jeune avec un message signé TW. Thomas Wayne, logiquement. Alors, est-ce que lui et Penny n'auraient pas eu une aventure, finalement? Et suite à ça et cette histoire d'adoption, et sa folie, la mère d'Arthur n'aurait pas imaginé des choses? On ne le saura sans doute jamais, mais théorisons quand même. Moi, je pense que c'est ça. Ce qui est bien aussi, c'est que le Joker est en quelque sorte à l'origine de Batman. Mais avant de parler de ça, car c'est un peu la conclusion de cette partie, je vais revenir sur la relation entre Arthur et Murray Franklin. Ce dernier est une sorte de figure paternelle pour Arthur, ça nous le dit un peu dans son imagination. Et aussi son idole, car Arthur va être comme lui, faire rire les gens. Mais depuis qu'il a fait son one-man show et qu'un extrait de celui-ci soit passé à l'émission de Murray, et que ce dernier s'est foutu de lui, bah c'est un peu un coup de couteau dans le dos en quelque sorte. Car celui qui l'admire se moque de lui à la télé. Moi à sa place j'aurais déjà pété un câble. Mais moi je suis un peu fou dans ma tête. Franchement, ça doit faire mal que celui ou celle que t'admires se moque de toi en public.
Avant d'arriver à la conclusion, je veux revenir sur quelques détails. En plus de ça, il a la révélation que sa mère est folle et qu'il est un enfant adopté. Mais tout va bien! Au début du film, on nous montre déjà l'état d'esprit du personnage. Il n'est pas vraiment lui-même. Il s'efforce de sourire. Il veut ce que la société veut qu'il soit. Plus sa mission. Du coup, il le fait car c'est ce qu'il doit être. En plus, pendant qu'il fait le clown devant un magasin de musique, il me semble, une bande de jeunes voyous lui vole sa pancarte et le frappe avec. Et personne ne les a arrêtés quand il les poursuivait. Car c'est personne. Tout le monde s'en fiche. À son taf, son boss lui dit de ramener la pancarte, sinon il va pas être payé ou un truc comme ça. Un de ses collègues lui donne un flingue et il ment à son boss sur lui. En plus, il a fait une bourde. Il l'a amené à un hôpital pour enfants. Et quand il le reprend, il fait... Il fait le ni vu ni connu, mais son boss le vire. Il se fait agresser dans un train car il rigole. Ah oui, mais ce rire, c'est flippant, non? Mais le pire, c'est que c'est même pas sa faute. C'est un handicap qui se déclenche quand il est stressé ou mal à l'aise. Et trois gars de Wayne Enterprise l'agressent et il les bute car il se défend. Bon, c'est un meurtre. Mais ils se font défendre par Thomas Wayne à la télé car c'est trois de ses employés. Ça fait déjà beaucoup. Il a créé une manif en ayant fait ça. Et il le vénère alors qu'ils le connaissent pas. Mais pour lui, ça n'a pas d'importance pour le moment. Mais ça va être une des raisons de son basculement dans la folie. Tout ça réuni a fait de lui le Joker. Il a tué sa mère car elle lui a menti toute sa vie et elle voulait lui faire devenir ce qu'il n'est pas. Il le dit lui-même qu'il n'est pas comme ça. Il tue son ancien collègue car il a menti sur lui et qu'il vient lui demander de l'aide. Du coup, il a plus rien à perdre car il va se dévoiler en public dans l'émission de Murray. Et il va le tuer devant tout le monde pour montrer qui il est et de quoi il est capable. C'est pour ça qu'il dit à Murray de l'appeler Joker, car ce dernier l'a appelé comme ça quand il se moquait de lui, et non Arthur Fleck, car Arthur Fleck, pour lui, c'est fini. Au moment où il se fait appeler Joker, Arthur Fleck, c'est mort. La scène avec Murray, je l'ai vu venir. Car je sais plus si c'est dans The Dark Knight Returns, le Joker est invité à une émission et il tue ceux qui sont présents sur place. En plus, dans le film, le décor et le plan y ressemblent. Ça doit être une référence. Donc, du coup, en direct, il avoue qu'il a tué les trois gars de Wayne, et ensuite, il balance à Murray qu'il a ce qu'il mérite et le tue. Vraiment, j'étais en stress à ce moment-là. Je savais qu'il allait le tuer, et quand c'est arrivé, j'ai presque sursauté. Une scène qui glaçait le sang. Et même mort, il lui refout une ou deux balles pour montrer qu'il s'en balance et qu'il a pas peur. Et ce geste va provoquer la mort des Wayne. Je l'ai vu venir au moment où un film Zorro était affiché comme titre. Car la plupart du temps, les Wayne vont voir une pièce de théâtre ou un film, et des fois c'est Zorro ou autre. Du coup, j'ai grillé. Et à force de voir la mort des Wayne tout le temps, on s'y habitue. Ce moment triste et glauque est devenu culte. Ouais. Et j'ai bien aimé que le Joker soit indirectement lié à la création de Batman. Car la plupart du temps, c'est Batman qui crée le Joker. Mais dans le Batman de 89 avec Michael Keaton, Batman et le Joker se créent mutuellement. L'un tue les parents de Bruce, quant à l'autre, le pousse dans les produits chimiques. Et j'aime bien cette idée. Je pense que j'ai tout dit sur la psychologie de ce Joker. Mais le film n'est pas seulement bon par rapport au scénario. La réalisation est démente. Les plans où Arthur monte les escaliers, les moments où il est au milieu des plans de caméra, on suit ce personnage. On est dans sa tête. Les scènes où il danse, la scène où il descend les escaliers, ce qui va devenir culte, je le sens. Pour nous montrer qu'il bascule de lui-même dans la folie. Et ça, c'est magistral, avec la musique en plus. Bravo les compositeurs. Ce film mérite un Oscar. Joaquin Phoenix est excellent dans ce rôle. C'est sans doute celui de sa vie, je sais pas. J'ai vraiment pris une claque en voyant ce film. J'ai vu un chef-d'œuvre. À la fin, j'ai failli chialer tellement c'était bien. Là, au moment où il se met sur la voiture de police et qu'il prend son sang et qu'il le met sur son visage pour faire un sourire. Ça, je pense que c'est ma scène préférée. On a encore beaucoup de questions sur ce film. Le personnage de Zazie Beetz est-il mort? La fin se passe avant ou après? Tout ce qu'on a vu est-il du fake? Toutes ces questions et d'autres se posent. Ce film est magique. Magistral, vois pas d'autres mots. En plus, faire comme si le film était des années 80, ça bravo. En plus avec le mot fin, franchement du grand art. Car oui, c'est de l'art. J'ai adoré ce film et je vais aller le revoir dès que j'ai l'occasion. Franchement, rien à reprocher au film. Même pas une scène inutile, ce qui est assez rare. Warner Bros. Doit continuer à aller dans ce sens avec les films DC, pas faire comme ils ont fait avec le DCU actuellement. C'était déjà le cas avec Batman v Superman, mais ils ont changé de voie pour faire comme le MCU. Apparemment, ils ont prévu d'autres films sur les origines des méchants. Reste à voir si ce sera aussi bien que le Joker. Bon... Je crois que j'ai tout dit. Sur ce, si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à lâcher un max de pouces bleus et de vous abonner. Partagez la vidéo, parlez-en autour de vous. Activez la cloche pour ne rien manquer des futures vidéos. Vous pouvez me suivre sur Instagram et Twitter, les identifiants sont dans la description. Vous pouvez aussi me soutenir sur Tipeee. Vous me faites un don et je gagne un peu d'argent. Sur ce, je vous dis à la prochaine. Et le cinéma, c'est la vie. Allez, salut !